Dans le département de la Sanga, dans la musique de chez nous. Bonjour Babenga Kosso. Bonjour. Je vous ai vu agiter vos téléphones, faire des vidéos. Ça vous a plu? Énormément. Vous savez, on en a besoin et c'est une coïncidence. Pendant que j'attendais, j'ai posé une question. Quel est le rôle de la télévision? Et je dis, pour moi, dans l'idéal, pour nos petits états en Afrique, on a 20 millions, 30 millions d'habitants, on devrait avoir deux chaînes publiques. Et la deuxième devrait être consacrée aux activités telles que la culture, la sculpture, la peinture, les livres, la danse traditionnelle, ainsi de suite. Et ce genre d'émissions, on devrait en avoir au moins deux, trois dans la semaine. Les enfants doivent savoir d'où ils viennent et où ils vont aller. Merci beaucoup, Obambe Ngakoso. Je rappelle que vous êtes panafricaniste. Et avec vous, nous parlons de la place des langues maternelles. Souligne encore langue maternelle africaine, oui, dans le processus. Il faut le préciser. De renaissance africaine. Alors, lorsqu'on parle d'abord de langue maternelle, on fait allusion à quoi? C'est vrai. On dit ici que la langue maternelle, c'est la langue d'éducation. C'est la langue dans laquelle nous sommes élevés. Voilà. C'est la première langue que nous parlons. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet-là, en termes de langue maternelle? Non, mais vous avez bien fait d'introduire la chose de la sorte, parce que le piège, c'est de penser que la langue maternelle, c'est la langue de la maman. C'est vrai, le français a ses subtilités, mais ce n'est pas ça. La langue dans laquelle vous êtes éduqué, c'est votre langue maternelle. Et nous avions grandi avec un président en face chez nous, Mobutu. On était enfants, on ne comprenait pas. Pourquoi il parlait tout le temps en Lingala? Et pourquoi, avant de parler en Lingala, il saluait le peuple dans quatre langues les plus parlées? Le Lingala, le Kituba ou le Kikongo, ça dépend comment on peut l'appeler, le Kiswahili et le Chiluba. Pourquoi? On ne comprenait pas et on n'avait pas des aînés pour nous expliquer. Les aînés eux-mêmes rigolaient, se moquaient de nos frères de l'autre côté. Mais quand on grandit, quand on vieillit, qu'est-ce qu'on remarque? Nos frères de l'autre côté faisaient l'école jusqu'en classe de 5e en Lingala. Et l'expérience a prouvé qu'en sciences dures, chimie, physique, mathématiques, biologie, géologie, il n'y a pas match entre eux et nous. Ils comprennent mieux ces choses et ils sont mieux à même de nous les rendre. Il suffit de se rendre dans les colloques internationaux. On va un peu plus loin. Nyerere, instituteur, formé en Écosse, et il parlait très bien anglais. Mais lorsqu'il a le pouvoir entre les mains, en 1961, lorsque la Tanzanie devient indépendante, il fait le constat que tout homme à l'époque, qu'on l'appelle intellectuel, lettré, alphabétisé, peu importe, fait, le peuple ne connaît pas la langue coloniale. Donc l'anglais pour eux, le lingala pour nous.
Et Nyerere, qui était en avance sur son temps, va décider de parler à son peuple tout le temps en Kiswahili. Je dis bien tout le temps, jusqu'à sa démission en 1985, il ne s'adressait aux Tanzaniens qu'en Kiswahili. Parce que nous répétons une chose, lorsque vous et moi faisons cette émission en ce moment, nous excluons plus de la moitié de la population congolaise. Je suis désolé. Mama oyateka korona simanda ko azoka lupotote. Kananga oyateka rapondu ayokarape lupotote. Donc le français en réalité pour nous, c'est pour les gens qui ont des diplômes, ceux qui sont peut-être arrivés en classe de 4e, parce qu'un enfant qui arrive en 6e aura du mal à comprendre ce qu'on dit. Et je vous invite un jour à faire la connaissance du professeur Diallo Diop. C'est un Diopien, au sens où il est disciple de Cheikh Konta Diop, mais ils n'ont aucun lien de parenté. Voici ce que ce monsieur m'a dit un jour, et il m'a encore plus poussé vers la réflexion. 70% de la population sénégalaise ne comprend pas, parle, ne lit pas, n'écrit pas le français. Donc, quand un homme politique sénégalais s'exprime en français, il exclut automatiquement 70% de ses compatriotes. C'est pourquoi lorsque vous allez au Sénégal, et c'est grâce au travail de Cheikh Konta Diop, même si certains l'insultent encore aujourd'hui, qu'au Sénégal, à l'Assemblée nationale, on peut parler en wolof, ça ne pose aucun problème. Alors justement, j'avais une question à ce sujet. Est-ce que c'est un problème culturel? Est-ce que c'est un complexe, justement, problème culturel au niveau de l'Assemblée, chez nous? Je pense, je n'ai pas vérifié, mais cela s'est dit. J'en ai discuté avec un ou deux parlementaires, avec des amis. Il me semblerait qu'au niveau de l'Assemblée nationale, chez nous ici, il est prévu des interventions dans nos langues nationales. C'est-à-dire qu'en dehors du français, qui est la langue officielle, les députés peuvent s'exprimer en lingala, peuvent s'exprimer en kituba, donc poser des questions pendant les questions orales, etc. Mais les gens ne le font pas simplement, peut-être aussi parce que la nature du Congolais, c'est de se moquer, c'est de ridiculiser, c'est de prendre pour moins que rien ceux qui parlent dans les langues nationales. Lorsque vous prenez toutes les colonies françaises d'Afrique, lorsqu'un Congolais parle hors de son pays, on ne sait pas s'il est Congolais ou pas. En général, hein, je parle de celui qui connaît la langue française depuis le berceau, ou depuis l'école primaire, ou encore depuis la maternelle. Lorsqu'un Ivoirien parle, qu'il ait appris le français à l'université, au primaire, au village, on sait qu'il est Ivoirien. Son accent le trahit. C'est comme un originaire de Toulouse, lorsqu'il parle, on sait que c'est un Toulousain. Celui de Marseille, ils sont tous au sud, mais les accents divers. Lorsque vous allez au Sénégal, un Sénégalais qui parle, on sait que c'est un Sénégalais, en général. Nous, nous sommes plus français que les Français. Nous avons voulu être plus français que les Français et on a fini par mettre dans la tête du Congolais que l'intelligence avait des symboles, le costume et la cravate, et parler français. Même quand il y a plein de fautes, ce n'est pas grave, mais il parle français. Même s'il ne sait pas ce qu'il dit, mais il parle français. Vous avez parlé du Parlement. Il y a quelques années, avant que je ne rentre au pays, j'ai suivi une dame députée qui faisait une descente parlementaire. Voici ce qu'elle dit, je reprends ses mots. Je suis venu vous expliquer ce que nous avons fait au Parlement concernant le budget. Pour information, le budget a été budgétisé. Elle parle, elle avait peut-être 100 ou 200 personnes en face d'elle. On peut s'arrêter là pour dire ceci. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. Et c'est pire, ceux qui sont en face ne comprennent pas non plus. Bon, on va laisser ça. Admettons que les gens se décomplexent et qu'ils puissent parler lingala ou kituba. Nous en avons des parlementaires, il ne faut pas avoir, pas se voiler la face, qui ne connaissent pas le français. Lorsqu'ils vont se mettre à parler en lingala ou en kituba, n'oubliez pas autre chose. Ce sont des gens qui, à la base, parlent mieux leur propre langue, la langue de leur papa ou la langue de leur maman, que le lingala ou le kituba. Il suffit de suivre les activités politiques. Lorsqu'on leur donne le micro, il y en a qui fuient. Je les comprends. Parce qu'ils ne connaissent pas le lingala. Parce que parler l'argot lingala, pesanga shaba, c'est pas ça parler lingala. Les gens sont perdus. Nous avons un véritable problème. Comment pouvez-vous expliquer qu'au Congo, le lingala ne soit enseigné qu'à partir de l'université? Donc, il faut que l'enfant ait fait 12 à 13 années de scolarité, arrive à l'université, il a le droit de faire le lingala. Et encore, il y a quelques années, le lingala et le kituba étaient enseignés au département de LVE, langues vivantes étrangères. Mais il y a des pays qui ne nous ont pas attendus, qui ont pris de l'avance. Au Burkina Faso, il y a des villages, il y a des petites villes où l'on enseigne dans les langues maternelles. Et pour éviter les questions de tribalisme, on arrive dans un village ou dans une petite ville, on fait appel à ceux qu'on appelle habituellement des sages, des chefs traditionnels, on leur dit, vous avez deux ou trois langues ici. Nous, le gouvernement, on n'est pas là pour imposer. Libre à vous de choisir. On va vous laisser le temps de la réflexion. Les gens vont se concerter ainsi de suite. En Côte d'Ivoire, il y a des villages où les gens s'entendent. Exemple, imaginons que ce soit un village où il y a des Akwa et des Koyo.
Mais on dit le matin jusqu'à midi, on parle à quoi? Tout le monde peut parler à quoi? À partir de midi, c'est automatique. Il n'y a pas eu de chicote. Tout le monde se met à parler Koyo. Résultat, vous allez dans certains villages en Côte d'Ivoire, les gens sont parfaitement bilingues, ils sont parfaitement polyglottes. Mais c'est d'abord et avant tout une question de volonté politique. Et si la volonté politique n'y est pas, chacun de nous doit faire cet effort. Moi, je me dis tous les jours, quand je passe dans vos émissions, qu'est-ce que je peux faire par la suite pour rattraper cela, pour ceux qui ne comprennent pas le français. D'accord. Alors, Obama Ngakoso, cette émission, on ne l'aurait pas réalisée aujourd'hui. Hein. On l'aurait... elle était prévue pour... une autre occasion. Voilà, pour d'autres occasions. Et c'est parce qu'il y a eu un vide par rapport aux amis de Kinshasa qui ne sont pas arrivés. Donc, il fallait qu'on rattrape cette émission. Donc, il y a des éléments qui étaient prévus. Mais je ne sais pas si vous avez déjà suivi cette vidéo. Un jeune, je pense que c'est un Ouest-Africain, qui est à l'école. La vidéo a tourné sur TikTok, sur WhatsApp. On lui demande de dire « Mon père et ma mère sont mes parents. » Et le petit n'arrive pas à dire. Et lorsqu'il répète, il dit « Ma père et ma père, ça me parle. » Tout à fait. Vous avez déjà suivi ça ? Voilà. Je l'ai suivi. Alors, il y a beaucoup de vidéos similaires. Hein. On prend des enfants qui n'arrivent pas à parler, et le professeur qui filme, et on tape, il faut bien s'exprimer en français, avec l'accent, etc. On mettait même le symbole à une certaine époque. Est-ce que c'est normal, aujourd'hui, au 21e siècle, d'humilier les enfants comme ça, mais de forcer, c'est-à-dire que on impose cette langue-là. Quelque part, on se dit... L'enfant doit, parce que le souci des parents, c'est parfois aussi que l'enfant sache s'exprimer en langue française pour qu'il soit peut-être considéré dans la société. Bon, je vais commencer par là. Oui, beaucoup de parents, vous allez dans ce que nous appelons habituellement l'intérieur du pays, dans des villes de 10 000 à 20 000 habitants, on n'est pas du tout surpris de voir des enfants de 5-10 ans qui ne connaissent pas le Lingala, qui ne connaissent pas le Kituba, qui ne connaissent pas leur langue maternelle, mais qu'on oblige à parler en français. Parce que c'est une question de prestige et c'est même honteux. On trouve que c'est honteux qu'un enfant ne parle pas français ou surtout qu'il parle sa langue maternelle. Alors concernant l'humiliation, vous savez, moi je vous rencontre ici, je vous rencontre ailleurs. Vous êtes passionné par votre métier. Si vous n'avez pas de passion dans votre métier, vous allez faire n'importe quoi. Beaucoup d'enseignants sont enseignants par dépit. Ils n'ont pas le choix. Parce que l'enseignement, sur toute la planète, les enseignants, c'est le secteur où on recrute le plus parce que tout le monde ne peut pas aller aux finances, il n'y a pas assez de place. Tout le monde ne peut pas aller en douane, il n'y a pas assez de place. Tout le monde ne peut pas aller aux impôts. Mais par dépit, vous avez des gens qui ont fait Bac plus 5 en géologie ou je ne sais quoi, qui se mettent à enseigner. Et toute la rage, je suis persuadé de cela, toute la rage qu'ils ont envers la société, envers les gouvernants, ce sont les enfants qui payent. Aujourd'hui, on ne devrait plus taper un enfant à l'école. Parce que ça fait partie des sévices. C'est la première des choses. Et deuxièmement, il faut avoir de la pédagogie. Mais comment voulez-vous être pédagogue si vous faites un métier que vous n'avez pas choisi? La pédagogie, c'est la base. Suivez la vidéo du Premier ministre ivoirien. Elle est très édifiante. Patrick Hachi explique comment il était dernier de la classe au CP1, au CP2. Il insiste. Mais parce que l'enseignant disait des choses qu'il ne comprenait pas. Voilà pourquoi moi je félicite la génération des gens de mon père, la génération des gens de ma mère, qui ont quitté la maison, qui sont arrivés à l'école, on leur parle dans une langue qu'ils ne connaissent pas. Et quand ils repartent à la maison, papa, maman, l'oncle qui les élève ne parlent qu'une autre langue, rien à voir avec le français. Ces gens, il faut les féliciter. Ils ont en général réussi parce qu'à l'époque, le redoublement était interdit. Du temps de mon père, quand vous redoubliez, vous étiez remis à la disposition de vos parents. Aujourd'hui, on peut même acheter des diplômes à l'université. Ça ne dérange personne. Ces gens ont quitté le Congo avec le bac. Ils sont allés ailleurs. Et ils ont fait partie des meilleurs. Quand vous entendez Obenga dit « Je n'ai jamais aimé être deuxième. » Et quand il étudiait chez les autres, en latin, il était premier. En grec, il était premier. En histoire, il était premier. Parce qu'il y avait des bases. Ce sont des gens éminemment intelligents. Mais aujourd'hui, lorsque vous allez prendre quelqu'un qui ne parle pas français à la maison, qui parle teke ou qui parle lari, vous le mettez dans les conditions que nous sommes, dans les conditions dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, surtout vous et moi, on a quand même énormément de choses à faire au cours de la journée, qui travaille encore avec ses enfants à l'école. Et résultat, ça va donner tout et n'importe quoi. Obame Ngakoso, vous êtes auteur, vous êtes auteur de trois livres. Deux livres tout seul et 9 en collectif. En collectif, d'accord. Alors... Du côté des écrivains aussi, il faudrait, cet élan, par exemple, Obame Ngakoso, écrire en Lingala, écrire en Kituba, écrire en Bushi, écrire en Bébé. Ne fatiguez pas, les éditeurs ne veulent pas. Justement, c'est ce que j'allais dire. Parce que si vous le faites, il n'y aura pas grand monde, il n'y aura pas un fort lectorat. C'est vrai. Mais après, aussi, il y a aussi ce problème des éditeurs. Les gens ne voudront pas parce que ça ne va pas se faire. Ça ne va pas se vendre.
Non, il faut être clair. Et alors là... Qu'est-ce qu'il faut en réalité? Alors, ce qu'il faut, c'est... On doit faire comprendre aux gens que chacun a sa culture sur cette terre. La langue ne permet pas seulement de parler, elle permet de véhiculer une idée. Elle permet de véhiculer sa culture. La culture passe mieux quand c'est dans votre propre langue. Ça, on n'a pas besoin d'être linguiste pour le comprendre. Et il faut faire attention au piège des langues coloniales. Ce chercheur français, malheureusement, son nom m'échappe. Mais quand, la première fois que j'ai lu son livre, ça m'avait bouleversé. Parce que moi-même, j'étais persuadé, à l'époque, j'étais étudiant, qu'il fallait bien parler français, qu'il fallait très bien parler français, que c'était beau, c'était bien vu. Surtout moi qui ai grandi au centre-ville, lorsqu'on arrivait à la cité, on parlait français, on nous regardait avec distinction, on nous regardait avec égard. Mais ce chercheur dit qu'en réalité, le français est une langue glottophage. Glottophage, ça veut dire que c'est une langue qui a tendance à phagocyter les autres, à éteindre les autres, à tuer les autres. Voilà pourquoi la francophonie est un piège. Or, la francophonie a été voulue par trois chefs d'État africains. Habib Bourguiba, de Tunisie, Amani Diori du Niger et Félix Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire. Et la France qui n'attendait que ça, qui en réalité avait incité en sommet, qui n'attendait que ça, a mis en place cet instrument où nos langues sont en train de disparaître au fur et à mesure alors que le français est vitalisé, valorisé à travers le monde. Vous allez au Canada, au Québec on parle français, la moitié de la Belgique parle français, un tiers de la Suisse parle français. Les Français se battent pour que leur langue ne disparaisse pas alors que nos langues sont en train de disparaître. Comment nos parents ont appris la Bible? Ça, on ne le dit pas assez. La francophonie, en réalité, du point de vue de langue, ne nous arrange pas. Non, ça ne nous arrange pas. On parle de diversité, mais il n'y a pas de diversité en réalité. Mais toutes les réunions se font en français. Comment peut-on parler de diversité quand chacun vient avec sa langue? Au moins, à l'Union africaine, quand vous parlez en français, il y a des interprètes, il y a des traducteurs pour d'autres, en kiswahili, en arabe, etc., etc. Mais les sommets de la francophonie, tout se fait en français. Quel est le dirigeant politique qui a fait l'effort d'apprendre notre langue? Il n'y en a pas. En France, en Belgique, en Suisse, ils n'ont aucun intérêt. Qui paye commande? Et nous, ce qu'on doit faire, dans le bassin du Congo, par exemple, vous serez surpris en allant au Gabon de tomber sur quelques Gabonais qui parlent lingala. Lorsque vous allez au Cameroun, vous écoutez Charlotte Dipanda, je sais que vous l'adorez. Mais lorsque vous, oui, pas seulement parce qu'elle chante bien pour des raisons évidentes. Lorsque vous écoutez Charlotte Dipanda, il y a des mots que vous allez comprendre. Pourquoi? Parce que le douala est une langue qui est très proche du lingala, de l'akwa. Je pense même qu'au Congo, c'est la langue akwa qui est la plus proche du douala. Mais il faut valoriser cela. Rencontrons-nous, organisons-nous, festival, tout ce qu'on veut, et on finira par trouver même des mécènes qui diront « Votre projet me plaît, les livres ne seront pas achetés, mais moi je suis prêt à mettre temps pour qu'on publie 100 exemplaires, je ne sais pas moi, de l'épopée de Nzinga et d'Okiba. Lorsque vous allez chez les douala, on vous parle de Jekyll Anyambé. Parce que bon, certains d'entre nous sont persuadés qu'ils descendent d'Adam et Ève, alors que ben, chaque peuple, effectivement, a ses ancêtres créateurs. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Wabé Gakoso. Nous sommes à la fin de ce bel entretien. Et je pense que je prendrai un extrait de vos interventions, de votre intervention, pour l'inclure, l'insérer dans un dossier que nous préparons. Nous avons eu le ministre de l'Enseignement primaire, monsieur Moutou, Jean-Luc Moutou, qui a semblé lui dire, je vais bien regarder l'interview, que au niveau du gouvernement, donc de son ministère, on s'apprêtait justement au nombre de réformes dans le système éducatif, c'est d'insérer nos langues, je ne sais pas s'il s'agit des langues nationales seulement, mais comme langue d'enseignement. Je pense que c'est un travail que nous allons... Mais on peut même obliger les parlementaires à parler lingala kituba. Je pense que moi, il y a quelques années, deux ou trois ans, j'ai fait des interventions sur le plateau du 20h de Télé-Congo, où je suggérais aussi que le président de la République, par exemple, à l'occasion de la fête du 15 août, ou lorsqu'il prend la parole dans des grands moments, de le faire, peut-être pas forcément en lingala seulement, de le faire en français, mais de le faire aussi dans nos langues, je pense que ça pourrait booster, ça pourrait décomplexer le Congolais, le Premier ministre par exemple. Au Sénat, lorsqu'il commence, le président du Sénat pouvait commencer avec quelques mots du lingala. Ça pourrait aider un peu à décomplexer, vous savez, dans ce pays, lorsqu'on s'habille comme jazz, comme ça, on ne vous respecte pas, mais lorsqu'on met la cravate et tout. Voilà on est dans un même dans si c'est une cravate qui coûte 100 francs, on va respecter. On est dans des schémas assez compliqués. Et voilà, nous sommes là,
moi, je ne suis pas leader d'opinion, mais je suis dealer d'opinion, lanceur d'alerte. On essaie de dire ce qu'on peut. Merci, Aubameyang Gakoso. Peut-être je vous laisse quelques secondes pour... Non, mais en fait, c'est vrai qu'on parle, on sourit, on rigole, mais nos langues sont en train de disparaître. Et ça, c'est un véritable danger. Notre culture, en même temps, ben, se perd, parce que si vous perdez en langue, vous perdez au niveau de la culture. Je répète, la langue permet de véhiculer la culture. Quand une culture traverse des millénaires et des millénaires, c'est parce qu'il y a une langue qui est là, elle est vivante, elle est vivifiante. Les gens qui ont créé le Lingala, c'était pour se faire comprendre. Vous aviez les Bobangi, vous aviez les Akwa, les Koyo, les Mbosi, etc., etc. À un moment donné, il y a plusieurs langues. Certaines sont très voisines, mais lorsqu'on arrive à en créer une autre, le créole. Nos ancêtres se sont retrouvés aux Amériques, ils ont créé le créole. C'est ce que j'expliquais hier à l'école Joseph Perfection, lorsque nous étions face aux enfants. Le Wolof, aujourd'hui, tous les Sénégalais parlent Wolof, même ceux qui ne sont pas Wolof. C'est pourquoi chaque Anta Diop, lorsqu'il parlait en Wolof, il arrivait à atteindre plus facilement le cœur des Sénégalais que Léopold Sédar Senghor qui parlait que en français. Voilà. Merci beaucoup. Alors, c'est la fin de l'émission, mais j'ai quand même lu quelques messages ici. Monsieur Diaz, je pense que Monsieur Obambe a parfaitement raison parce que dans certains pays comme le Ghana, où les élèves apprennent le twi, qui est la langue nationale depuis le CP1, et le pourcentage des gens non scolarisés est moindre, pour la simple raison que même ceux qui ne comprennent pas l'anglais peuvent aller à l'école, je soutiens à 100% Monsieur Obambe Ngakoso. Alors, il y a encore un autre monsieur ici, Monsieur Message Anony. Bonjour, merci pour le sujet du jour, la place des langues maternelles africaines dans le processus de renaissance africaine. Voilà, ok. Ah, on a oublié de mettre le i, hein. Il faut mettre le i quelque part là-bas, voilà. Ce sont des erreurs d'inattention. Beaucoup de messages. Ben, mais comme on avait prévu de faire cette émission, on va donc continuer à en parler, certainement, dans une table ronde. Et on va dire merci à Obambe Ngakoso. Merci. Merci à tous ceux qui sont passés à l'émission aujourd'hui. Ibrahim Itella, Hippolyte Ikapi, Armel Boumeloé, son groupe, Pasteur Oweli, Apôtre Richard Fila Sainte-Eude, et à tous les autres, on vous dit merci.